Alors, messieurs, que dites-vous de cet endroit ? Ce sera parfait pour nous. Mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons, comme jadis Altaïr nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici chez vous. Edward, Capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dettes, mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Bonsoir, Anne. Edward. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serais vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé, mes affaires réglées. Navire en vue ! Il approche de la crique ! T'es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. And all the sweethearts that e'er I've loved, they'd wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should, I'll gently rise and softly call. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. Père, avez-vous toujours su piloter un bateau? Le Jackdaw est un navire, Jimmy. Pas un bateau. Mais avez-vous toujours su ? Non. Non, j'ai appris après mon départ de Bristol. Après avoir abandonné mère ? Eh bien, je n'ai pas abandonné. Enfin, je ne suis pas parti sans dire au revoir, c'était un arrangement, tu comprends, entre ta mère et moi. Elle disait que vous l'aviez abandonné. Elle disait que vous vouliez naviguer sur votre bateau et gagner de l'argent au Nouveau Monde. J'ai toujours voulu naviguer, c'est vrai. Mais pas pour m'amuser, pour que nous vivions mieux, pour prendre soin d'elle et prendre soin de toi.
pas de moi. Mère disait que vous ne saviez pas que j'existais. Elle disait que vous n'écriviez qu'une fois par an et qu'elle ne savait jamais où vous étiez. C'est vrai, j'en suis désolé. Si j'avais su plus tôt, je ne sais pas. Vous serez peut-être rentré. Je l'espère, en tout cas. Vous deviez être très occupé. Moi, c'est ce que je crois. Je l'étais, mais... Mais ça n'aurait pas dû m'en empêcher. Je peux mener votre bateau ? Un bateau ? Je ne vois pas de bateau ici. Et toi ? Oh, je voulais dire navire. Mais honnêtement, je ne vois pas la différence. C'est très simple, Jenny. Un navire peut transporter un bateau. Mais un bateau ne peut pas transporter de navire. Alors, petit ou grand, ce ne sont que des navires. À part mon tout petit bateau, celui que je prends dans mon bain. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Jenny, c'était difficile de parler de Caroline, de ta mère ? Non. Elle est morte depuis plusieurs années. Elle me manque, mais ça va. A-t-elle souffert ? Je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait. Elle a été très joyeuse pendant un certain temps. Puis, plus vraiment. Je ne la voyais plus beaucoup après cela. Et ensuite, elle est morte. Je suis désolé. Je regrette de ne pas avoir été là. Ce n'est pas grave. Vous êtes là maintenant. Et nous partons à l'aventure. Une aventure modeste, j'espère. J'en ai vécu assez pour toute une vie. Verrons-nous une baleine, père ? Oui, il y a de fortes chances. Et des pirates ? Est-ce que je vais voir des pirates ? Non, ça, en revanche, ça m'étonnerait. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé en voir un. Je vais te dire une chose, Jenny. Dès que ces vents auront un peu faibli, je te laisserai barrer le Jackdaw. Un petit tour à la barre avant la nuit. Oui ! Miss Jennifer Kenway, permettez-moi de me présenter. Jennifer Scott, je vous prie. Je suis désolé, Ma fille a été élevée par sa mère, Caroline, jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années. Jenny a toujours préféré son nom au mien. Ah, pardonnez mon ignorance. Je le ferai. Elle, c'est moins sûr. Vous pouvez m'aider, père ? Ce petit vaurien, en revanche, est bien Kenway. Qu'y a-t-il, Etam ? Je n'arrive pas à voir la scène. Allons-y. C'est mieux ? Oui, mais n'allez-vous pas fatiguer ? Eh, je ne suis pas si vieux que ça. Mais si je fatigue, alors on filera de cet endroit guindé et on ira prendre un chocolat avec ta mère. Ça te plairait ? Oh oui, père ! Bon, chute maintenant.